Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 novembre. Il est 11h, je vous amène avenue des Lauriers. Suivez-moi. Nous sommes maintenant à avenue Pasquale. Je vais continuer pour rejoindre l'avenue des Lauriers. Ici, heureusement que le trottoir est large parce qu'on ne pourrait pas passer près du mur. Regardez, c'est haies qui déborde largement. Bon, ici, nous allons prendre sur la gauche. Rue de Tréville qui nous amène avenue des Lauriers. Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer sur ce trottoir. Regardez la haie qui déborde largement. Entre d'un côté les voitures qui stationnent à moitié sur le trottoir et les haies qui débordent complètement sur le trottoir, où voulez-vous que passent les pauvres piétons? Fais-moi ça. Maintenant, je vais passer sur ce trottoir qui est libre. Pour arriver enfin à avenue des Lauriers. C'est le mur de Saint-Luc, l'hôpital psychiatrique. Nous allons longer de ce côté-là. Nous allons jeter un œil. Au fond, vous allez voir, il y a une chapelle. Et voici la chapelle de l'hôpital. Et dans cette chapelle, il y a une tapisserie qui a été réalisée par des malades et des soignants. Cette tapisserie très ancienne est en train d'être rénovée. Et pour trouver de l'argent, il y a dimanche qui arrive à l'église Saint-Vincent-de-Paul un concert. Cet hôpital est très ancien. Regardez les maisons qui sont à l'intérieur. Et au fond, là, des bâtiments beaucoup plus modernes. Allez, maintenant, retour sur l'avenue Trespoille. Je vais passer à l'intérieur de cette résidence. Et savez-vous qu'ici, à l'emplacement de cette résidence, il y avait un champ. Ce champ appartenait à Saint-Luc et les élèves du CS Jeanne d'Albret venaient y jouer au foot ou au rugby et y faire aussi du sport. Maintenant, je vais rejoindre l'avenue Trespoille. Maintenant, je vais traverser et arriver là-bas jusqu'à la rue La Fontaine Expressway que je vais prendre pour entrer. Ça va être facile de passer là encore. Voici arrivé rue de la Fontaine Trespoille, je préfère passer par là pour entrer. Pardon, maintenant elle s'appelle l'avenue. Et voilà, nous arrivons à la Villa Regina. Et en haut, sur la gauche, l'arbre avait le fameux nid de frelon asiatique. Regardez, il semble qu'il y a une serre. Magnifique villa ancienne. Ne sont-elles pas belles nos Pyrénées? Il a neigé dessus, terrible. Voilà, c'était ma vidéo de ce lundi 23 novembre pour vous montrer la chapelle de l'hôpital psychiatrique Saint-Luc. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Micho News. Et surtout, pour vous inviter à venir au concert de dimanche qui arrive. À bientôt. Un peu pour faire un grattage. Pour le plaisir des yeux.